Oui. Quand je vois les femmes africaines qui se plaignent toujours que oui, les footballeurs, là, quand ils ont réussi là, ils prennent que les femmes blanches. Aïe, mais c'est normal qu'ils prennent les femmes blanches. Parce qu'au début, quand ils étaient rienneux, pauvres lots et laids, vous les femmes africaines, vous ne les voulez pas. Vous ne les calculez pas. C'est les femmes blanches qui sont là au début. Le moment où ils étaient encore laids, pauvres lots et rienneux, les blanches les acceptent tels qu'ils sont. Mais vous, les sœurs africaines, vous ne les voulez pas. Vous les traitez comme des moins que rien. Maintenant, s'ils deviennent des grands footballeurs réussis, là, ils n'ont qu'à laisser les blanches qui étaient là au début pour venir vous prendre. Vous allez venir vous asseoir et puis jouer de luxe. Regardez-moi des rêveuses. S'ils réussissent, c'est les femmes blanches qui méritent de bouffer leur argent et de vivre le luxe, pas vous. Vous, les femmes africaines ici en Europe, vous n'êtes même pas capables d'aider vos frères africains sans kaolo. Vos frères africains qui n'ont pas les papiers. Est-ce que vous les gérez même? Vos frères africains qui n'ont pas les papiers, vous ne les gérez même pas. Même bonjour ici, même les femmes africaines de l'Allemagne même. Quand vos frères africains même vous disent bonjour, vous les regardez de travers, vous ne les calculez. Même leur bonjour, vous n'acceptez pas. Après, oui, les footballeurs, ils sont complexés. Quand ils réussissent, ils prennent les femmes blanches. C'est normal qu'ils prennent les femmes. Donc, vous les frères là, si vous réussissez, vous êtes au sommet de votre succès. Prenez les blanches. C'est elles qui vous méritent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui est fâché n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Je m'en fous.